Chambly et vous. Chambly et vous. Ça se passe à Chambly. Zoom sur une actualité camblysienne. Nous parlions il y a quelques jours du marché de Noël des commerçants de Chambly et c'est un tout autre marché de Noël dont je vous propose de parler aujourd'hui. Et pour ça, je suis avec Christelle Béasley qui est présidente de l'association Oasis. C'est une association qui œuvre au sein de l'EHPAD. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors l'association Oasis, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée pour les résidents de la maison de retraite pour pouvoir améliorer un petit peu leur quotidien, pour donner le petit plus pour des sorties extérieures, un restaurant, une visite d'un musée, enfin par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Donc vous proposez tout un tas de petites animations et ateliers, c'est ça ? Voilà, donc toute l'année on a des résidents qui tricotent, donc avec des familles qui viennent se greffer un peu sur ce groupe. Là on est en plein atelier de dernière minute, parce que bon, on a toujours un petit peu de retard, mais bon, je pense que ça sera prêt pour samedi. C'est-à-dire les activités ont un côté également intergénérationnel. On vient en famille pour fabriquer les objets, partager des moments ensemble. Tout à fait. La maison de retraite, de façon, est ouverte sur l'extérieur et tout le monde peut venir donner un petit coup de main. On a même des familles qui n'ont plus de résidents à la maison de retraite, mais qui continuent à venir quand même pour nous donner un petit coup de main pour le marché de Noël. D'accord. Et puis, je suppose, pour l'ambiance conviviale et l'entraide qui existe. Voilà, c'est ça. Pour faire un peu la bonne action aussi au sein de la maison de retraite. Donc vous faites un marché de Noël avec tout ce qui a été fabriqué pendant l'année. C'est quand, c'est où, c'est à quelle heure ? Alors c'est samedi 10, ouverture des portes à 14h. C'est au sein de la maison de retraite, dans la salle polyvalente, dans la salle jaune, nous on l'appelle comme ça, où on exposera tous les objets fabriqués par les résidents. Et nous allons faire des crêpes, il y aura des gâteaux, il y aura une tombola aussi, tous les billets seront gagnants. Donc on espère avoir beaucoup de monde pour récupérer un maximum d'argent pour nos résidents. Et donc vous participez pleinement à cet esprit festif un petit peu autour de Noël. Je suppose aussi que pour les résidents, c'est extrêmement important. Ah bah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils tiennent leur stand, hein, tout ce qui est tricot. C'est eux qui tiennent leur stand parce que je pense que c'est important qu'ils puissent expliquer. Et c'est leur objet vraiment qu'ils fabriquent. Donc je pense que c'est bien. Puis ça les met aussi à l'honneur. Et c'est les acteurs aussi, ils sont dans leur maison de retraite, même s'ils ont beaucoup de mal à dire que c'est leur maison, mais quelque part c'est normal. Très bien, donc le marché Noël de la maison de retraite Louise Michel, c'est Place des Cartes, hein, la maison de retraite. Oui, c'est ça, oui. C'est donc le samedi 10 décembre, vous me rappelez les horaires ? 14h, 18h. Voilà, merci beaucoup Christelle. Je vous en prie. Radio Chambly, l'actualité camblysienne par les Camblysiens. Chambly, c'est agréable, c'est vivant. Ah, moi j'adore ma ville, hein. Oui, on s'y sent bien. Radio Chambly, la radio des Camblysiens. La radio des Camblysiens.